Alors, la nouvelle aventure d'Amédée Malloch, du commissaire Amédée Malloch, écrite par Malloch, s'appelle Les larmes de Pancras. Encore une fois, il s'agit d'une histoire basée sur une mythologie inventée. Là, en l'occurrence, au lieu de se baser sur un méchant dont je développe dans le détail les vices et les techniques, j'ai décidé de choisir un lieu et d'inventer un lieu, en l'occurrence un vignoble, et de l'explorer dans l'espace et dans le temps. En l'occurrence, cette enquête va se dérouler sur 7 siècles. Il y a 3 grands meurtres principaux. Un a lieu de nos jours, et c'est là où on retrouve le commissaire Amédée Malloch. Un a lieu au Moyen-Âge, et le troisième a lieu dans les années 60. Et je vais tricoter ces 3 meurtres durant les 500 ou 600 pages, de façon à ce qu'ils se renvoient les uns les autres, qu'ils se répondent, et qu'à la fin, ils se résolvent ensemble. Pourquoi le Moyen-Âge? Parce que je trouvais cette période passionnante, et c'est là où j'ai situé la naissance de ce vignoble. Donc j'ai inventé un vicomte Pancras d'Armus, le fameux Pancras qu'on retrouve dans le titre, qui va créer son propre vicomté. Et dans son vicomté, il va construire un château fort, parce qu'il y a déjà les premiers bruits de la guerre de 100 ans qu'il entend venir par le nord, venant d'Angleterre. Il va faire donc ce château fort et tout autour, des vignes. Des vignes car il rêve d'un vin, d'un vrai vin, un petit peu comme il existera de nos jours, et qui n'a rien à voir avec les vins qui existaient à l'époque, qui étaient des espèces de choses pleines de mélasse, pleines d'épices, mais qui servaient plus comme boisson pour éviter qu'on boive de l'eau des puits et qu'on s'empoisonne plus qu'autre chose. Donc il a cette vision de créer un vrai vin, c'est un visionnaire. Et cette vision, cette ambition va le mener au meurtre, parce qu'il a besoin de beaucoup de moyens. À un moment donné, un personnage très étrange va arriver dans ce château, et ce personnage possède quelque chose que le vicomte veut absolument avoir pour pouvoir continuer à terminer son château et continuer à tester ses vignes. Il va y avoir un meurtre, et ce meurtre va résonner pendant 7 siècles. Il va rebondir une première fois dans les années 60, où l'on a là un meurtre en chambre close, j'en dis pas plus, et il résonne une deuxième fois de nos jours. Et c'est là que Malloch est appelé par un de ses amis, qui est un ami de la famille du château, enfin des héritiers du château. Il y a 2 familles, la famille Corneille et la famille de Renon. Et Malloch va être amené à enquêter sur le meurtre de l'héritier de ce château. Voilà.